J'ai répondu à votre appel et je constate que vous répondez au mien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce pays a des ressources humaines de qualité, a même des ressources naturelles qui devraient faire que le pays connaisse une situation meilleure que celle-ci. Moi, ce que je veux proposer, c'est une autre vision qui met en avant l'intérêt général et aussi qui met en bonne place l'homme. Parce que, pour moi, lorsqu'on accepte de conduire les affaires du pays, c'est parce qu'on a réfléchi sur la condition des personnes qui constituent le collectif national. Ce qui se passe aujourd'hui pour un pays qui a eu autant de ressources, malheureusement, si nous on arrive aux affaires, on va repartir avec des ressources amoindries. Mais ce n'est pas parce que les ressources sont amoindries. Je connais en Afrique des pays, même avec la moitié du budget que nous avions connu ces dernières années, le Congo est parmi ceux qui ont les budgets les plus forts. Donc il s'agit pour nous d'être suffisamment intelligents, d'être suffisamment créatifs, pour pouvoir faire peut-être avec peu, mais beaucoup. Alors la République que moi je vais diriger va être une république dirigée par des hommes qui devront être des modèles, des références pour le reste de la population. Un chef, c'est celui qui est une référence, qui est un miroir à travers lequel le reste de la population se reconnaît en lui. Moi, je serai ce chef. Moi, je ne suis pas tribaliste. Je ne suis pas régionaliste. Je ne suis pas voleur. Je ne suis pas menteur. Et quand j'ai donné ma parole, je tiens ma parole. Jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée.